Papa, nous allons continuer. Oui. Il y a ce monsieur qui témoigne que ça fait un an, il avait des problèmes, des difficultés au niveau de ses pieds. Oui. Mais après avoir aspergé le ouin, il a reçu la force. Et tout à l'heure, il peut déjà marcher, il peut même déjà sauter, il peut courir. Et tout va Est-ce bien. Est-ce que c'est vrai, monsieur? Depuis le matin que je suis arrivé ici, tout ce qu'on fait, je ne pouvais pas me placer debout. Hein? 5 minutes. Venez, courez, que les gens voient. Il ne pouvait pas se placer debout 5 minutes. Venez. Venez, venez. Marchez devant tout berceau. Jésus. Il est en train de courir. Zaraminaulo. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait quoi? Est-ce que vous êtes content? Je suis très fier, très fier. C'est votre quantième fois de venir ici? Non, j'étais déjà d'abord ici et puis le travail m'a amené ailleurs. D'accord. Est-ce que vous croyez qu'en venant ce matin, vous alliez recevoir le miracle? Non. Vous ne croyez pas? C'est ma femme qui m'a dit que non, il est comme ça, le prophète arrive pour arriver à tout pays là-bas. Et elle est où votre femme? Elle est là. Appelez-la. Madame. Madame. Rachel. Vous l'appelez comment? Madame Rachel. Vous appelez votre femme Madame Rachel, hein? Et moi, je vais l'appeler comment? Alors, qu'est-ce que ça vous fait de le voir comme ça? Ça me donne la joie au cœur. Je dis, ça me donne la joie au cœur, là, c'est la phrase de tout Bertrand. C'est seulement, vous êtes seulement entendu ou quoi? Il n'y a pas de problème. Vous êtes contente? Oui, mon père. Vous avez pu courir tout à l'heure? Oui, papa. Et si vous croyez que Jésus allait le guérir ce matin? Oui, papa. Embrassez votre mari. Là, il a... Ça, c'est quoi ça? Ok, oh, ça va, oh. Et si on peut acclamer pour eux, c'est comme ça que vous vous embrassez, hein? D'accord. C'est comme ça que vous vous embrassez, c'est bon. Tu as honte.